Eh bien bonjour Raphaël de SOSNuisible.be, vous me connaissez, je suis dans un grenier, alors on voit pas grand chose, mais j'ai un truc là au fond, je vais aller tout près, là vous le voyez pas, mais il est, hop viens ici, voilà, il est beau. Frelon asiatique, alors ici, bon ben voilà, le monsieur il a appelé Région Wallonne, il n'intervient plus. Plus de budget apparemment de ce qu'il m'a dit. C'est vrai qu'on n'avait pas eu de nouvelles nous en tant que, enfin moi en tout cas en tant que professionnel, j'ai pas eu de nouvelles par rapport à ça. Mais bon, soit. Allez, on va aller voir ce qui va nous occuper quelque peu. Alors, on va essayer de pas se casser la figure. Ah ben. Regardez, il y a des foires. Et on a des surprises, il faut passer en dessous, machin. Tic-tac, alors ici je regarde. Voilà. Bon, je vais vous retourner, je vais vous montrer ça. Il est là. Et il n'a pas l'air grand comme ça, hein, mais je vous garantis que je vous l'éclaire comme ça en permanence. Voilà. Il est énorme. Hein. C'est le plus gros nid de frelons asiatique que j'ai fait cette année. Alors j'essaye de remettre la lampe si il veut bien. Je mets le stabilisateur, on va faire ça comme ça plutôt. Le stabilisateur et le nid de frelon. Ok. Bon, vous le voyez le nid? Vous me voyez à côté? C'est parti. Alors, volontairement, je ne l'abîme pas. Je ne l'ouvre pas. J'aurais bien aimé. Mais, il y a quelqu'un qui me demande de le laisser le plus nickel possible à des fins didactiques pour un apiculteur. Donc, évidemment, je réponds à la demande positivement. C'est normal. Et le pied de nid est magnifique. C'est énorme. Il est bien, bien gros. Ça, c'est un très, très beau. Excellent, il est vraiment très beau. Alors je vais vous rapprocher. Je vais repiquer encore une fois ici devant quand même. Une double dose, c'est largement assez. Alors, le stabilisateur. Voilà tout ce que j'ai là. C'est blanc, ça sort blanc. Voilà, vous voyez comment ça sort blanc, c'est bon. Ça, ça veut dire que le nid est poudré. Voilà. Ça y est, j'ai des copains qui viennent sur moi. Et ça fait un de ces bruits, écoutez ça. Et ça tape. Thank you.
Vous entendez ce bruit? C'est des centaines d'individus. C'est loin d'être content, c'est normal. Voilà. Alors, je vous tourne. Alors moi je me prends une petite dégazée, ce qui est logique. Alors j'ai les planches ici, il faut que je fasse un peu quand même gaffe. Donc le nid, évidemment quand il doit prendre voilà. Le stabilisateur d'appui, le nid il est juste derrière. Il est là. Vous voyez, il est juste ici dans la lumière. Et alors, ça brûle. Ah, ils sont pas contents. Vous voyez, moi j'en ai partout sur moi. Vraiment partout, à tous les niveaux. C'est simple, hein, c'est la plus grosse attaque de l'année. Simplement, voilà, ils sont partout. Alors je vais m'éloigner calmement, tranquille. Et puis, voilà, on va les laisser faire. Mais ça fait un boucan du tonnerre. Excellent. Allez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine intervention sosnuisible.be. N'hésitez pas à appeler. Ben voilà. Colon asiatique. Un de moins. Ciao, ciao. Bon, là, ils sont qui me suivent, en fait. Hein. Ils sont... la fenêtre juste là, le nid il est au fond là-bas, qui est boucan. Donc voilà, on va faire gaffe, pour sortir sans qu'il y en ait trop qui me suivent. Allez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.